Et salut tout le monde, c'est pas trop, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo tutoriel sur Team Fortress 2, en fait plutôt une vidéo présentation des différents modes de jeu et comment bien jouer sur ces modes de jeu. Donc je vais faire ça en 3 vidéos. Donc dans cette vidéo-ci, on va s'attaquer au mode classique, donc le mode multijoueur. Nous attaquerons dans une vidéo, je reparlerai quand même. Enfin non, j'ai déjà fait le mode MVM, j'avais déjà expliqué comment ça marchait. Donc ça c'est la deuxième vidéo de présentation de type de serveur. Ensuite, je vous présenterai dans une dernière vidéo les serveurs spéciaux, donc les serveurs idle, enfin le mode de jeu idle, trade et tout le bordel. Donc là, il y a déjà 8 modes de jeu basiques sur Team Fortress. Donc nous aurons la charge utile. Donc la charge utile, c'est un. Je vous expliquerai après. Il y a un roi de la colline, attaque-défense, course à la charge utile, point de contrôle, capturer le drapeau, livraison spéciale, et ça c'est aléatoire. Et il y a un mode de jeu qui n'est pas Paola, qui n'apparaît qu'à Halloween ou à certains moments. Avant ça apparaissait les... Enfin, c'était le vendredi à midi, moi je les avais toujours. C'est le mode de jeu Halloween. Donc on va tout de suite commencer par le premier mode de jeu, qui est le mode charge utile. A tout de suite. Et re tout le monde, donc voilà, on se retrouve sur la map Upward, qui est une map donc de charge utile. Donc qu'est-ce que le but de la charge utile? Donc on a deux équipes, toujours les mêmes équipes, chaque équipe a un objectif différent. Donc vous voyez, attendez, vous voyez ici là, vous avez une bombe sur un wagon. Donc l'équipe bleue doit l'amener jusqu'au, vous voyez, juste en bas là, là où il y a souvent les objectifs, vous voyez, il y a le chien qui se déplace, il y a des roues, c'est des points de contrôle ennemi. Et donc, ces points de contrôle, les bleus doivent amener ce wagon sur tous ces points de contrôle jusqu'au dernier. Pour que le véhicule avance, il faut que les... l'équipe bleue soit à proximité, comme là vous voyez que là il y a un truc qui nous soigne. Voilà, là on vient de capturer un point de contrôle, donc l'ennemi ne peut pas le récupérer. L'équipe rouge, leur objectif c'est de nous tuer et pour qu'ils gagnent, il faut que le wagon n'atteigne pas le point de contrôle avant le temps imparti que vous voyez en haut. À chaque fois qu'on capture un point de contrôle, ça rajoute du temps. Alors plus il y a deux personnes qui sont à côté du véhicule, plus il se déplacera vite. Les scout balls pour deux personnes, c'est super utile. Donc ce mode de jeu, c'est pas un mode... Pour moi, je veux dire, après mes commentaires sur chaque mode de jeu, c'est pas un mode de jeu, je joue pas ce que j'aime en fait. Simplement parce que j'aime pas trop ce mode de jeu. C'est aussi que... Voilà, c'est surtout... Encore, il y a ce mode de jeu avec la charge. Ça va un peu, ça se... Mais c'est juste que c'est... Au bout d'un moment, c'est un peu énervant, j'ai joué quelques temps. C'est pas mon mode de jeu préféré. Mais c'est quand même un excellent mode de jeu. Un bon mode de jeu. C'est surtout peut-être les maps que j'aime pas trop. Celle-là, elle est assez grande comme map. Je dirais que les maps sont communes, c'est-à-dire... Mais les maps sont différentes. Ça veut dire, par exemple... La map... comment elle s'appelle? Gorge. Il y a 10 gorges et 5 gorges. C'est des maps différentes. En fait, ces maps changeront avec soit des points de contrôle, soit des documents, voilà. Les maps changent. Et ce mode de jeu là, il y a toujours des maps, des maps qui ne changent pas. Elles sont exactement comme ce mode de jeu. Cette map là, donc c'est... Donc là, nous ne sommes pas censés déplacer la bombe, mais je préfère quand même attaquer moi, notre mode de jeu. Ah, parce que je veux dire défendre. Ce qui suffit qu'il y ait du camp dans l'équipe ennemie et on fait une différence. Non. Je vais prendre Spice. Bon, pyro, allez. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un pyro. J'ai bien le instrument étrange. Ouais. Ok. Ok. Avec le marteau, il peut aller plus vite en plus. Oui, donc pour ce mode de jeu, quelle classe je vous conseille? Toutes les classes d'attaque, principalement le scout et le pyro. Avoir des snipers avec le huntsman, c'est très très utile.
Des ingénieurs avec le flingueur aussi. Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. Alors là. Le petit qui est derrière, je sais pas ce que c'était, bon. Donc voilà. Vous voyez ici il y a un trou. Et bien c'est à ce trou que la bombe va tomber pour détruire la baleine. Donc là, je pense qu'on va gagner, on gère assez facilement. Vous voyez, on est déjà à l'avant-dernier point de contrôle. Il nous reste 7 minutes. Même 8. Donc ce mode de jeu aussi. Donc ce mode de jeu est officiel. Les maps de ce mode de jeu, là, c'est une map officielle. Je vous ai pas tout dit sur les maps. Ah non, j'ai pas dit les classes pour défendre. Donc ben, les NG avec des tourelles classiques. On peut pas se mettre un truc comme ça. Ouais. Je vous conseille aussi les snipers avec des snipers, pas des henchmen, des medics et des heavy. Le reste, ce qui est des moines, encore ça peut aller, mais après non. Et bien sûr, ils peuvent utiliser des spikes pour aller derrière. En fait, vous pouvez même utiliser des scouts pour défendre. Vous voyez là, dit à un certain moment, là, regardez. Donc, je passe par le même accès que tout à l'heure. On va camper là. Et là. Voilà. Non, c'est bien sûr. Oh, ça va, j'ai raté. Ah, mais il y a le dessous de la map. Donc, ouais, ben. C'est juste un kill et après on passe sur le deuxième mode de jeu. Ah c'est un Uber. Ouais, donc. Ah, les flammes sont bizarres. Bon allez sur ce, je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite pour le prochain mode de jeu. Retour monde, donc voilà, on se retrouve sur ce nouveau mode de jeu, qui se nomme Roi de la Colline. Donc d'abord, avant de m'attaquer au mode de jeu en lui-même, je vais parler des maps. Donc la map dispose de un seul point de contrôle qui est au centre. Ce point de contrôle est quelque chose un peu symétrique puisque la map est totalement symétrique, vous voyez. Allez. Le point de contrôle est là, la map c'est un lag. Se sépare donc aux deux côtés qui sont exactement pareils. Vous voyez, là il y a le cap-out, là il y a le cap-out, c'est exactement pareil des deux côtés. Donc le but en fait, il y a deux chronos comme vous voyez, il y a un chrono bleu, un chrono rouge. Le premier chrono arrivé à 0, la couleur de ce chrono, a gagné. Gagne donc, comment faire réduire notre chrono? Eh bien, il faut capturer le point de contrôle. Tant que le point de contrôle est à nous, notre chrono descendra. Vous voyez là par exemple, les bleus ont le point de contrôle et leur chrono descend. Donc ce mode de jeu, c'est pas un mode de jeu que je joue souvent aussi. En plus dans le, vers les derniers modes de jeu que je joue souvent. Ouais, c'était celui de tout à l'heure, donc c'est différent. Ah ça va, il y a le mode 3D. Enfin ouais. Et sur ce mode de jeu, c'est. Voilà, je vais capturer. Donc cette map aussi elle existe en version Halloween, vous voyez, ben, en fait, si il y a un gros trou, il meurt. Il y a cette map et le. Enfin, cette map est. Totalement différente, enfin voilà, et ressemblant tout à celle. Donc sur ce mode de jeu, ben les classes, c'est principalement les scouts pour les deux côtés. Prenez des classes lourdes si vous voulez aussi. Vous pouvez prendre les masques pour la mission dans 60 secondes. Nous avons capturé le point de contrôle. On va juste prendre Soldier. On est sur propulsé. Donc on va pas s'attarder longtemps sur ce mode de jeu. C'est... Encore je vous dis, c'est un mode de jeu assez bien. Enfin, je préfère franchement ce mode de jeu quand ils sont en mode de la mission dans 60 secondes. Alerte. Point de contrôle attaqué. Je peux essayer de serrer la partie. Donc, il y a de... 1 minute. Je veux qu'une chance.
Oh le cul, bon. Donc on va passer dans le prochain épisode, donc à tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve donc pour le troisième mode de jeu. Donc ça me dit ok, donc ce troisième mode de jeu, c'est le mode de jeu attaque défense. C'est pour moi mon deuxième mode de jeu que je fais, c'est un excellent. Donc attaque défense, c'est quoi? Donc là, les maps ne sont pas symétriques comme sur roi de la colline. Là les maps sont séparées, enfin sont séparées sur cette map là qui se nomme Death Ball. Il y a trois parties de la map. Vous voyez, il y a deux points de contrôle, il peut y en avoir plus. L'équipe rouge doit défendre ses points de contrôle et l'équipe bleue doit les capturer. Si vous voyez, les bleus capturent le point de contrôle rouge, mais les deux sont rouges dès le début. Voilà, si les... Voilà, et si les bleus capturent les points de contrôle, les rouges ne peuvent pas les récupérer. L'objectif des rouges, c'est de récupérer tous les points de contrôle, l'objectif des bleus, et de récupérer tous les points de contrôle des rouges. Donc cette map de Spawn, c'est une de mes maps préférées, je crois que je vais tomber sur elle. Mince, Epic Fail. Ça brûle. Ouais, donc donc ce mode de jeu, donc les classes, vous pouvez utiliser n'importe quelle classe des deux côtés en fait. C'est utiliser plutôt les classes de défense du côté rouge et les classes d'attaque du côté bleu. Allez, coco, coco, si j'arrive à capturer ça en spray. Ah, ok, donc voilà, on a gagné. Ah, moi. Okay. Donc, ce mode, donc j'espère qu'on va rester sur la map de Spawn. Ouais. Donc, cette map de Spawn, c'est pas en trois parties. Donc là, on est chez les reines. Donc, c'est pas, je pourrais vous montrer un gameplay en défaut puisque. Donc, alors, on va prendre. Ouais, pour regarder le spy, il va vite. Il y a un pouvoir camouflé. Donc sur cette map, donc sur Death Ball, c'est la première partie de la map. Il y a une deuxième partie. Enfin, celle-là, les parties durent assez moyennement, on va dire. Sur la deuxième, c'est assez court les parties. Et sur la troisième, ça peut être exploré extrêmement longtemps, comme début de la mission super rapidement. 10 secondes. Du coup, je compte souvent ici à ces map en spy. Je suis trop sorti après pour renseignement. Dedans. Peut-être qu'il faut qu'ils sortent tous de l'autre côté. Non, ok. Alerte, point de contrôle attaqué. Ok, donc, j'ai pas parlé pendant un petit moment, j'étais concentré sur la partie, donc. Donc, on attaque l'avant. Donc, on va se mettre de jeu, donc. Comment je suis mort? D'accord. J'étais TP à ma mort. Donc, on va pas s'attarder sur tous les mobs, le mode de jeu, hein, donc ce mode attaque défense. Vous avez compris comment ça marche. Une équipe a des points de contrôle et doit les défendre, et la seconde équipe les attaque. Donc on se retrouve pour le
prochain mode de jeu. À tout de suite. Re tout le monde, donc on se retrouve sur ce quatrième mode de jeu. Donc je l'ai fait dans l'ordre, donc ils sont dit dans le menu. Donc si vous avez retenu ce quatrième mode de jeu, je vais deviner. Bon, c'est course à la charge utile. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez les deux équipes pour les charges utiles. Les maps sont symétriques. Donc les bleus doivent pousser le wagon bleu jusqu'au spawn ennemi. Et les rouges doivent pousser le wagon rouge jusqu'au spawn ennemi. C'est simple que ça. Chaque équipe doit à la fois déplacer son wagon plus protéger le sien. Qui fait attaquer par la fin. Alors là aussi c'est pas le mode de jeu que je joue souvent. Là ouais, vas-y, il y a des premiers. Un premium, mais... moi aussi je suis premium, mais enfin premium du serveur. C'est franchement un truc qu'il faudrait arrêter sur la série. Parce que les gens ils ont limité le double de notre vie, donc c'est mortel quoi. Pas besoin de recharger. Ah, j'ai rien à dire. Alors là vous voyez, ça descend, donc ça veut dire si on ne prend pas le wagon pour la compétence, il descend. En bas vous voyez, là il y a des flèches, ça veut dire que le wagon va reculer s'il s'arrête plusieurs secondes dessus. Oula ouais, regardez, c'est même plus qu'une balance. Ok, vite. Okay. Okay. Et après, je sais pas, je l'ai eu. Bon, je suis tombé, mais... ah, donc, voilà. Donc, c'est bon, vous avez tout vu la fin de la partie. Je vais aller sur la vue de voilà, de vous. Et donc là c'est là, donc le premier qui part amener au spawn adverse le véhicule a gagné. Donc c'est aussi, ça c'est un mode de jeu pas souvent aussi. Il y a seulement deux voire ouais, trois modes de jeu que j'ai eu souvent. Donc, il y a l'attaque défense, la capture de documents et le chiffre voilà le point de contrôle. Et le prochain chiffre donc, 5, 4, 3, donc voilà, vous avez vu 2, sur petit gameplay sur cette partie. Donc c'est aussi un mode de jeu mais qui est bien, mais non, ça c'est souvent. Donc sur ce, bah, on passe en prochain mode de jeu. Regardez ce qui vient d'arriver. Voilà, je viens de voir dans mes trucs que j'ai débloqué deux nouveaux modes de jeu. Donc ça c'est quoi? C'est la map, vous vous rappelez la map comment elle s'appelait, enfin la map assez égyptienne en roi de la colline. Ça c'est version Halloween, donc il y a le boss qui peut apparaître, il y a des, elle change la map avec le, ouais, la révolution, c'est à dire qu'on a des avantages qui peuvent apparaître, et ça ce sont d'autres maps Halloween. Donc ben ça peut varier, ça peut être soit du roi de la colline, soit de l'attaque défense, et ça c'est du roi de la colline. Donc c'était juste pour vous les montrer. On va pas les faire parce que non, c'est bon, c'est exactement les modes de jeu que les autres. Donc ben on va passer au prochain mode de jeu qui est point de contrôle. Dès qu'on est sur un serveur, là on est sur un serveur. Le point de contrôle, je vais pas vraiment m'attarder dessus, sinon sur ma fonderie, c'est assez grande et assez rare. Donc les maps point de contrôle, ce sont des maps symétriques aussi. Vous voyez en bas, il y a un point de contrôle central qui est au début de la partie et neutre. D'un côté, vous avez un ou deux points qui sont bleus,
Et de l'autre côté, les points oranges. Les maps sont symétriques, donc. Et donc, pour qu'une équipe capture tous les points de contrôle. Et pour enfin, surtout qu'elle capture le point de contrôle de l'ennemi. Pour capturer le point de contrôle de l'ennemi, il faut avoir le point de contrôle d'avant sur le point de contrôle. Pour capturer le point de contrôle d'avant, voilà, il faut avoir tous les points de contrôle. Donc, ouais. Donc là, on est sur la map Foundry, donc Foundry, donc c'est une map assez grande et que je trouve géniale. Ça, c'est le, c'est peut-être le troisième mode de jeu que je joue le plus. Avant. Ouais, non, après, avant un TP, je pense. Ouais. Donc, cette map, donc, vous devez capturer les points de contrôle. L'ennemi peut les récupérer. C'est ici. Donc, ouais. Donc sur ce mode de jeu, c'était à la fois de il faut à la fois attaquer les points de contrôle adverse tout en protégeant les siens. Alerte. Normalement, en fait, si vous attaquez les leurs, ils défendront plus que attaquer. Ah, je suis pas tranquille au moins. Ouais. Donc ce mode de jeu en classe, je vous conseille voilà, à peu près toutes les classes. Ça dépend comment vous jouez, si vous préférez jouer défense ou attaque. Encore, je joue un peu les deux. Ah oui, sur cette map, les spawns varient hein, selon le nombre de points de contrôle qu'on a. On réapparaîtra plus près de l'ennemi. Donc là, on est au point de contrôle le plus petit, puisque on n'a que dalle. Quand on a le point de contrôle du milieu, on spawn au point un spawn au milieu, vous voyez. Je crois pas que c'est là. Je crois que c'est au point de contrôle d'après. Oh, on n'est pas au point de contrôle du milieu là, c'est pour ça. Je vais vous montrer le point de contrôle du milieu. Donc, alors, il y en a beaucoup qui comptent sur ces maps, aussi, puisque. Ah, c'est pas grave. Donc, le point de contact certain, je vous montre vite ici, là, voilà, il y a. Quoi, ça ressemble? Ah, si j'utilisais en bon, utile. J'ai même plus le temps de la saper. Donc sur ce, je vous dis, on passe au prochain point de contrôle. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve sur ce mode de jeu qui est l'attaque défense. Sur ma préférée, j'ai pu avoir un test premium. Bon. J'ai dit que j'aimais pas trop ça, mais pour vous montrer quand même, vous voyez, j'ai une unité, c'est une petite, pas sur ça. J'ai pas la charge donc ce mode c'est quoi donc les maps sont symétriques de chaque côté il y a une base ennemie avec dans chaque base ennemie il y a une salle secrétale avec des documents vous devez capturer les documents et les ramener au vôtre donc, je vous montre sur la map du fort vous avez une salle souterraine mince donc, j'ai bien fait d'y aller. Voilà. Donc les documents ça c'est les nôtres. De base ils sont pas là, c'est là juste le mec qui les a capturés. Ils se trouvent là, sur la table. Donc les documents, si on tue l'ennemi qui les pop, vous avez, il y a une barre de vie, quand cette barre de vie est écoulée, les documents reviennent au spawn. Donc c'est voilà. Donc là c'est une partie en vase, donc c'est une très grande partie. Donc le premier à capturer 20 fois les documents de l'ennemi. Pour les notes, je préfère toujours attaquer l'ennemi que de défendre. Fun, hop. Là, je suis en train de m'entraîner. Il y a ce spawn là qui sert à rien, on peut jamais spawner dedans.
Il vient de s'entrer, bon. Non, là, il y a les Unfred. Il y a un visite à finir, c'est bien. Ok, bah c'est bon. Il y a plus vite la vie du témoin. Ah, donc il a aucune chance de mec avec sa centrée. Je pense pas que c'est une infinie si on a son quête de man. Fail. J'ai rien eu à l'autre côté. Le petit sac premium aussi. Mais par contre, je pense pour le dernier mode de jeu. Et à la dernière vidéo, je me trompe plus, on va dire, on se voit pour le dernier pot. On se voit pour le dernier pot. Ok, c'est parti. Go, 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 go. Là, il me cherche, il a pris mon pistolet. La punie, j'ai le document sur le pion, ça va me faire. Là aussi, il y a un mec qui en détoile, ça peut être petit quand on a mis le document. Ouais, pas besoin, il est comme dans ce l'ennemi, c'est comme ça. On a fait le bouton tir. Pour une fois j'avais le premium du serveur, le serveur m'a le banni. C'est un bot qui s'est connecté. Il s'est connecté et déconnecté. Des fois j'y tiens donc à fort. J'ai vu ce mode de jeu, le mec qui me domine. Je sais pas, c'est le mec qui... Non, il y a personne qui me domine. Tant mieux. Oh, j'ai pas été qui assez pour être dominé. Donc là. On va couper dans leur truc, on va voir ce qu'ils font. L'invisibilité infinie de toute façon. Et on va plus vite que lui, on va plus vite que lui, on va plus vite que lui. Ok. D'abord. Ok, donc alors, on a un scout. Ah, j'en ai. Il se passe seul hein. Donc j'ai une technique, il faudrait que le scout parte et voilà. Ok, bon. Je vais juste le démonter. Je ne pas force. Mais si on a deux spades, ils sont encore mieux. Ah, la chance que j'ai été éclairé. Oh, je suis une belle mort, les gars. Petit bonus, hop, allez, un peu près. Merci, putain.
Ouais, on va voir. What? Oh, mais je l'avais sapé la truc. Mais d'accord. J'ai senti qu'ils sont un peu plus forts. Et là, j'ai réussi à faire un truc qu'on. Qui ça c'est tes co-scouts. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, ça sert à rien. Oh. Ouais, c'est bon. Ah, tu mens. What? Ah, ben, j'ai dégagé le tourelle. Ça va, je suis plus vite que l'autre. Et hop, one shot. On peut faire des headshots avec ce gun là. J'ai deux fois les deux. Mais il semblerait que j'ai plus. Mince, mince, mince. Oh non, ça va, il m'a suivi là. Oh, il a donné le temps. Nous avons volé les documents secrets de l'ennemi. Oh, voilà. Donc, on passe au dernier mode de jeu. A tout de suite. Donc, et retournons donc sur ce dernier mode de jeu officiel. Donc, alors, ce mode de jeu, c'est quoi? Donc, c'est, je sais pas comment il s'appelle déjà, mais en fait, c'est en quelque sorte, il faut ramener un objectif à s'épuiser, un autre s'épuiser. Donc, l'objectif est commun aux deux équipes, qui se trouve là-bas, c'est l'Australien. Une sorte d'énergie qu'il faut ramener. C'est deux minutes qu'il faut ramener à la fusée. En fait, quand on a l'Australien, on monte ici avec, et ça nous amène là-haut. Donc, en quelque sorte, pour capturer le truc, il faut que l'équipe capture le plus vite possible, l'objectif et l'amène au de la fusée. Que c'est pareil que pour les documents en capture de drapeau, il faut il y a un petit temps pour que le truc respawn et qu'il soit utilisable par l'autre. Donc c'est un mélange à la fois d'attaque et de défense, ça varie selon. La situation, là vous voyez que l'ennemi a les trucs, donc je dois continuer le dit. Voilà, donc il faut attendre maintenant qu'il se débloque, donc il n'est pas beaucoup plus vite que ce d'attaque défense. Ce mode de jeu, c'est le jeu du jeu assez rarement, mais il est quand même excellent. Le défaut, c'est qu'il n'y a pour l'instant qu'une seule map. Et depuis que ce mode de jeu existe, il n'y a toujours qu'une seule map. Pour vous montrer la map en détail. On peut comment la fusée. Donc voilà, il monte avec la fusée. Ensuite, la fusée va s'ouvrir. On peut voir ce qu'il y a. Voilà, il faut la brancher là. Alors, il faut pas la brancher. Et le fusée décollera vers la. Donc, sur cette partie de la map, ici se trouve l'Australium au début de la partie. La map est asymétrique, comme ça. Bien, les bases bleues, elles sont tous en métal sophistiqué. Les bases vertes, c'est que des fermes en bois. Donc, aussi, hop, voilà, et là, vous voyez, ils sont en haut. Avec le bel accès du pyro qui a sauvé la partie. Donc, ouais. D'ailleurs, c'est. Non, what? J'étais pas dans le même spawn tout à l'heure. Mais il y a un spawn mort, oui, d'accord. Ouais. Et le spawn bleu. What? Ok, d'accord. What? Oh,
coup, c'est un vieux truc qui avait un historique. C'est ma... Bon, je vous le montre, regardez. Une salle qu'on peut pas accéder, hein. Derrière, voilà, il y a une salle. Avec des photos du MVN. C'est sorti sur la map fonderie de tout à l'heure qu'il y avait ça. On connaît les maps, donc ici c'est Coltown. On connaît pas très bien, mais je reconnais que c'est Coltown, elle, ou ah, c'est pas Big Rock, c'est l'autre. Big Rock, c'est elle. Ça, c'est Coltown. Et ça, c'est l'autre. C'est pas Mono Rock, c'est le bon. Donc, sur ce, bah, je vous dis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, allez. Salut.